Bonjour, je me présente Yannick Seyer. Bienvenue dans mes cours d'écriture syllabique des sons. Cahier du jour, écriture syllabique du son R. Sur un interligne, minuscule, R majuscule, sur trois interlignes. Donc, à ne pas confondre avec le son L que je vais marquer ici. R, L. Que l'on retrouve donc en majuscule comme ceci. Voyons donc cette lettre R avec un nom commun comme une rame, une donc du genre féminin, rame, R-A, ra, M-E, me, en deux syllabes, une rame, à ne pas confondre avec une lame. Ici, on aurait un L, A, LA, M, E, ME, RAME, LAME, en deux syllabes. Voyons un autre mot, comme par exemple, un repas. Un repas. R E RE P A S PAS. Attention, ici il n'y en a qu'un, mais repas prend toujours un S. Un repas en deux syllabes, du genre masculin. Continuons avec un autre mot, comme par exemple une rive. Une rive. En deux syllabes, R-I-R-I, V-E-V, une rive, comme ceci. Un autre exemple, donc de deux syllabes, comme un rôti. Voilà, un rôti, un rôti. R-O, attention, ici, qu'un chapeau, un accent circonflexe, RO. T-I-T, un rôti, ici. Reprenons notre L ici, où on peut dire un loto. Un loto. L-O, lo. T-O, to. Donc ici, rôti, loto. En deux syllabes. Rôti, loto. Continuons avec d'autres mots, comme par exemple, une ruelle. Une ruelle. R U RU E L L RU L et on entend bien donc L E à la fin en trois syllabes une ruelle et nous allons donc avoir ici une lumière avec le L, L U lu. Alors, M I E accent grave, lumier. Et on termine par R E re, lumière. Ici en trois syllabes.
Donc, je reprends rue lue, une rue elle, une lumière. Voilà donc les lettres à ne pas confondre, le R et le L. Je les rappelle, rame, lame, repas, rive, rôti, loto, ruelle, lumière. Je vous invite à les réécrire. Si vous avez aimé, mettez un pouce et partagez cette vidéo avec ceux qui en ont besoin. Retrouvez les liens vers mes cours dans la description. Au revoir et à très bientôt.